à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture avec notamment mes lectures du mois de mai qui n'ont pas été très très nombreuses. Pas mal de graphiques, mais je suis quand même contente. Pour le graphique, j'ai décidé de vous parler uniquement de coups de cœur ou de lectures graphiques qui m'ont vraiment enchantée, notamment par exemple des tomes 1 de séries de manga. Je ne vais pas vous parler à chaque fois du tome 2, du tome 3, sinon on n'a pas fini. Donc en général, je vous parlerai du tome 1 et puis une fois que j'ai terminé la saga ou j'en ai lu 3 ou 4 d'affilée. On va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit d'Entre deux mondes de Olivier Norek qui est édité chez Pocket. Alors ce livre, ça a été un coup de cœur, mais vraiment monumental, phénoménal, tout ce que vous voulez. Ça a été une claque, mais je me suis pris la claque sur les deux joues, voire un petit retour en numéro 3. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Alors, Entre deux mondes, on va suivre deux histoires en parallèle. Ici, on va parler de l'enfer de Calais. On va parler du camp de Calais à travers deux histoires. La première, celui d'un policier qui vient d'être muté à Calais pour que sa femme soit plus proche de sa famille. Et à côté de ça, on va suivre... Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. On va suivre notre personnage qui vient de Syrie, qui est père de famille et marié, et qui souhaite rejoindre l'Angleterre. Voilà, on a ces deux histoires parallèles qui vont finir évidemment par se rejoindre. J'ai juste mais adoré Entre deux mondes. Je ne veux pas vous en dire trop parce que c'est bien de rentrer dedans sans avoir trop d'a priori. Personnellement, j'avais beaucoup d'a priori sur Calais. Je n'y connaissais absolument rien, mais j'avais quand même des a priori. Mais ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je ne me rendais pas compte, en fait. Je pense que vraiment, c'est ça le mot, je ne me rendais pas compte de la réalité de la vie des migrants, où je ne me rendais pas compte, en fait. Je ne m'étais pas suffisamment intéressée à ce thème, en fait, pour être tout à fait honnête. Et alors, ce livre, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Ça a été vraiment une grosse, grosse claque. L'histoire est évidemment excellente. Ça ferait d'ailleurs un excellent film. Presque tous les personnages m'ont extrêmement touchée, que ce soit le Syrien ou que ce soit le policier. Les deux histoires m'ont vraiment touchée. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, je ne dirais pas plus gros, gros coup de cœur. Allez-y sur Entre deux mondes si vous ne l'avez toujours pas lu, parce que ça fait longtemps qu'il existe, et même en poche, et j'étais un petit peu en retard. Allez-y, c'est pas cher et c'est du bon, du très très bon. Ensuite, grosse déception. Alors, on passe de là à là. Voilà. Je vais vous parler du Dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein qui est édité chez Scrineo. Je n'ai plus le livre parce que je l'ai déjà revendu. Malheureusement pour moi, ça l'a pas fait du tout, du tout, du tout. Alors pour ce livre, en fait j'entends que soit c'est des gros gros coups de cœur, soit c'est un peu comme moi, ça l'a pas fait du tout. Je pense que c'est vraiment en fonction de chacun, de la sensibilité de chacun. Donc en aucun cas je vais dire que c'est un mauvais livre. J'ai pas du tout trouvé que c'était un mauvais livre, mais juste moi ça m'a pas plu du tout. En fait dans Le Dieu Oiseau, on va suivre Faolan, qui est un esclave, puisque sa famille et son clan ont perdu les derniers jeux. Et que du coup il est devenu esclave de la famille gagnante. Ce sont des jeux vraiment macabres puisque la famille qui gagne a le droit de tout faire. Voilà, je pense son père a été rôti à la broche vivant. Sa mère, sa sœur ont été violées. Enfin tout ce qu'on. C'est vraiment macabre, hein, et très glauque. Voilà, le mot de ce livre qui illustre le mieux ce livre, c'est glauque de mon point de vue. Et on va suivre Faolan qui aimerait participer à la nouvelle série de jeux pour évidemment s'affranchir de son statut d'esclave et se venger. Comment dire? Alors j'ai aimé l'écriture, je vais commencer par le point positif selon moi. J'ai beaucoup aimé l'écriture d'Aurélie Wallenstein, que j'ai trouvé fluide, que j'ai trouvé descriptive mais pas trop. J'ai trouvé qu'elle mettait très bien en place l'univers parce que j'étais dedans. Clairement, de ce point-là, il n'y a rien à dire. Moi, ce qui m'a pas plu, en fait, c'est que j'ai trouvé que c'était très glauque, très anxiogène. Mais anxiogène, pas dans le bon sens. En fait, j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de lire ça. Et surtout, j'ai eu l'impression que on était dans un espèce d'Hunger Games, mais juste mille fois pire, mille fois plus dégoûtant, avec des scènes plus glauques, juste pour être glauque. Voilà, j'ai pas compris l'intérêt. En fait, j'ai pas compris
le point de vue qui voulait être démontré dans ce livre. Voilà, je suis sûrement passée à côté, je suis navrée, je suis passée à côté. J'ai pas compris les décisions, la plupart des décisions du personnage principal. J'ai trouvé qu'il faisait des trucs, mais vraiment, je ne comprenais pas. Il y a eu des scènes qui m'ont un peu choquée. J'ai pas compris la fin, dans le sens, j'ai compris ce qui se passait, mais j'ai pas compris pourquoi ça se passait comme ça. Ça m'a pas du tout convaincue. Et en plus de ça, j'ai trouvé qu'on était encore une fois dans des épreuves, enfin à la Hunger Games, à la Red Rising. Finalement, en fait, des choses très classiques de la fantasy depuis ces 5-10 dernières années, très classiques, mais en rajoutant du glauque, ça le rendait original. Mais pour moi, ça, non. Voilà, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à me faire aimer ce roman. Je sais qu'il y a eu énormément de coups de cœur, donc encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Mais voilà, je suis passée complètement à côté. Pour moi, c'est une lecture moyenne, c'est pas une lecture mauvaise, j'ai d'ailleurs mis 13 sur 20, je crois, mais c'est pas une bonne lecture parce que je n'ai pas apprécié mon moment de lecture. Voilà, encore une fois, mon point de vue. J'ai eu dans le cadre du Plib, puisqu'il fait partie des 5 finalistes, donc voilà, ça fera clairement pas partie de mon top. Pour l'instant, c'est La fille qui tressait les nuages qui est le grand gagnant selon moi. On verra, je n'ai pas encore lu toute la sélection. En tout cas, je voulais vous en parler parce que ça arrive de passer à côté d'un livre ou d'avoir un livre qui nous angoisse ou qui nous donne pas ce qu'on a envie de lire. Et là, clairement, non, vraiment pas. Bon, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Je réessayerai Mère morte d'Aurélie Wallenstein qui m'intéresse avec un thème sur l'écologie et sur les animaux marins. Donc je pense que ça me plaira peut-être plus. Je vais montrer un peu de graphique pour alterner. Je vais vous parler du tome 2 de Un goût, un petit goût de noisette. Donc c'est un petit goût de noisette et de fruits rouges pour ce tome 2. 14 histoires d'amour, c'est un petit sticker. C'est de Vanida. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1. J'ai encore un coup de cœur pour le tome 2. Moi qui suis pas très romance, ici on suit effectivement 14 petites histoires d'amour. 14 petites histoires. On retrouve les personnages du tome 1, on en a des nouveaux. Et en fait, je trouve que Vanida décrit le 21e siècle dans les relations amoureuses. C'est pas compliqué, c'est une fresque de l'amour à toutes les générations, il y a de tout, dans le positif comme dans le négatif, mais de façon très contemporaine, c'est très bien fait, les dessins sont d'une beauté. En fait, ce que j'aime dans les dessins, c'est que c'est du noir et blanc, mais avec des couleurs qui transparaissent, certaines couleurs. Certains sont entièrement noir et blanc, on a juste une couleur. Par exemple, ici, le personnage, il y a du vert qui ressort dès qu'on parle de lui. C'est très beau, ça me touche, ça me transporte. Pourtant, je ne suis pas une fan de romance, mais un petit goût de noisette, lisez-le vraiment, c'est une pure beauté. Et on est chez Dargaud. Retournons à nos romans. Je vais vous parler de Sadie, de Courtney Summers, que j'ai acheté, c'est aux éditions La Martinière. Donc, je vous mettrai la petite photo là, si j'y arrive. Sadie, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. C'est un mystery thriller où on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Sadie. Sa petite sœur a été découverte morte sur un terrain vague pas loin de son camp de camping-car où elle vit. Et en fait, elle va disparaître. On va suivre deux points de vue. Un journaliste qui a été appelé à la rescousse pour découvrir ce qui est arrivé à Sadie. Et où est-ce qu'elle est partie puisque sa voiture a été découverte abandonnée au bord de la route. Et de l'autre côté, on va suivre Sadie qui est à la recherche de quelque chose, de quelqu'un, lié évidemment à la découverte de sa jeune sœur. Je ne veux pas vous en dire plus, c'est une narration très très fluide parce que du côté du journaliste, on a aussi des interviews avec certains personnages, on a des analyses. On a des discussions téléphoniques, par exemple, et on a le point de vue de Sally, où on est beaucoup plus dans l'action, où on va suivre le déroulé des événements. Et on a toujours ce journaliste qui a un temps de retard sur les endroits où Sally va et essaye de comprendre ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai trouvé que c'est du young adult, et j'ai trouvé que c'est un excellent roman young adult thriller pour ceux qui veulent commencer le thriller. Attention, il y a des thèmes durs. Je vous dirai pas quoi parce que ça va vous spoiler. Mais il y a des thèmes quand même durs. C'est pas pour des enfants, c'est pas pour des pré-ados. Pour moi, c'est ado à partir de 15-16 ans. Mais je le recommande vraiment en young adult. C'est excellent. Et pour ceux qui aiment les thrillers, j'aime les thrillers. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très bon.
et l'histoire fait sens, et surtout ça met en lumière certains thèmes, ça montre en fait la pauvreté et la difficulté de vivre dans le fin fond de la campagne aux États-Unis avec la violence, la pauvreté, le chômage. On a toute cette atmosphère en fait autour de l'histoire de Sadie qui imprègne en fait les États-Unis où on sent qu'il n'y a plus de travail et c'est... Voilà, c'est très dur et moi j'ai beaucoup apprécié pour un roman young adult, j'ai trouvé que c'était très très bon et je vous recommande Sadie. Je l'ai plus parce que je l'ai revendu tout simplement parce que je ne le relirai pas. Honnêtement, les thrillers, à part si c'est une claque monumentale comme Entre deux mondes, je ne les relis pas. Parce que je me rappelle toujours de la fin. Et que si je connais la fin, ça ne m'intéresse plus trop trop de le relire. Voilà pour Sadie. Honnêtement, je vous le recommande parce que c'était très très bon. On va passer à une autre lecture graphique pour alterner un petit peu. Elma, une vie d'ours, le tome 2 et le dernier tome. C'est une duologie. Derrière la montagne, c'est chez Dargo. Encore une fois, Dargo. J'avais beaucoup aimé le tome 1 de Elma qui est une BD jeunesse. Je suis fan des traits de crayon de Léa Mazé. Suivez-la sur son compte Instagram d'ailleurs parce qu'elle fait des choses très jolies au crayon de couleur. Moi j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait. Elle m'avait fait une très jolie dédicace dans mon tome 1. Et en fait donc on suit ce tome 2. Donc je vais pas vous dire ce qui se passe dans le tome 2. Dans le tome 1 on suit une petite fille avec son papa ours. Et ils partent dans la forêt pour une quête. On n'en sait pas plus, ici on a la révélation finale. J'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé le lien qui unit le papa ours et la petite fille. C'était beau. Évidemment, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Ça serait trop facile. Donc désolé si ça a été un peu coupé pour la dernière partie. Le dernier ouvrage que je vais vous présenter dans cette update lecture, il s'agit du premier tome de Les Livres de la Terre Fracturée, donc le premier tome qui s'appelle La Cinquième Saison de N.K. Jemisin. C'est une trilogie qui a obtenu de nombreux prix dans le domaine de la fantasy science-fiction. Honnêtement, je l'avais mis dans mon mois de la fantasy, c'était mon challenge puisque je savais que j'allais aimer. Mais il me faisait peur parce que c'est quand même une grosse brique et que surtout que c'est de l'adulte. Alors je pensais que ça allait être de la science-fiction, en fait pas du tout, c'était de la fantasy, donc ça rentrait parfaitement dans le challenge. C'est de la fantasy avec de la science-fiction dans l'ambiance, si vous voulez, mais on est plus sur de la fantasy. Donc la cinquième saison, en fait dans ce livre on va suivre trois points de vue différents, toujours féminin. Donc ça c'est quelque chose que j'ai apprécié parce qu'on a beaucoup de points de vue féminins. Ce sont les femmes qui sont mises vraiment au centre de l'histoire et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. En fait dans cette histoire, on est dans la fin du monde en gros. C'est de la peau si vous voulez. La Terre ressemble à ça, hein, voilà, est en train de se détruire. La couche terrestre en fait est en train de se détacher. Donc il y a beaucoup d'événements climatiques assez dramatiques. Et en fait, ce livre est très dur à expliquer. J'ai vraiment beaucoup de mal à vous expliquer parce que ici, on est sur un roman de fantasy science-fiction qui est extrêmement riche. Il y a toute une mythologie qui a été créée parce que ce sont des générations en fait qui savent vivre, entre guillemets, avec les catastrophes. Ils appellent ça des saisons. Et on va suivre aussi le destin des Eurogènes, me semble qu'ils s'appellent comme ça. En fait ce sont des personnes qui sont traquées, hein, donc qui en général qui doivent se cacher. Les orogènes, ils sont capables de maîtriser les éléments, donc ils peuvent réduire les secousses sismiques ou au contraire les créer ou créer des volcans, ce genre de choses. Donc ils sont très dangereux, ils ont beaucoup de pouvoir. J'ai beaucoup aimé ce livre, je ne veux pas vous en dire plus parce que je pense que l'univers est tellement riche qu'il faut aller dedans sans trop en savoir. Honnêtement, les premiers chapitres, j'étais un peu perdue. Parce qu'on arrive dans cet univers et voilà, j'ai eu du mal, ça a mis du temps à se mettre en place dans mon esprit. Mais alors, une fois que c'était là, j'ai juste adoré. C'est de l'adulte, donc, mais c'est accessible hein, sur l'écriture, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, l'univers est très très riche. C'est pas simplifié. L'univers est riche, il y a du vocabulaire spécifique. Il y a des pouvoirs spécifiques, mais c'est assez bien expliqué. Moi, j'ai beaucoup aimé ces histoires féminines
dans ce monde en destruction. Voilà, j'ai beaucoup aimé. On commence en fait avec le point de vue d'une seule femme qui, son mari en fait, a emmené sa fille aînée. Il a tué son jeune dernier, donc il avait 3 ans. Et elle se retrouve dans la maison avec le cadavre de son fils à côté d'elle. Pendant ce temps-là, c'est la fin du monde, entre guillemets, puisqu'on est dans une saison donc on suit aussi les événements un petit peu catastrophiques. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet univers. Je lirai la suite avec plaisir, je pense pas tout de suite. De toute façon, l'univers me restera suffisamment en mémoire pour que je puisse attendre un peu. C'était quand même très dense. C'est édité chez Nouveau Millénaire, donc c'est la collection science-fiction fantasy de J'ai lu. Voilà, celui-là, je vous le conseille. C'était très intéressant et je suis ravie qui a eu le prétexte du mois de la fantaisie pour que je me mette enfin à cet ouvrage. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un petit pouce si la vidéo vous a plu, ça aide beaucoup la chaîne. Un abonnement si c'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!